Une équipe très très forte, répétons-le, une équipe qui n'évolue pas du tout, vous allez pouvoir vous en apercevoir dans le style des équipes traditionnelles britanniques, c'est-à-dire avec des grands coups de pied en avant, des débordements et des centres aériens. C'est une équipe qui, sous l'emprise de ses deux internationaux néerlandais, Thyssen et Muren, joue au football et contre laquelle Saint-Étienne certainement devra être à son meilleur pour se qualifier. L'équipe de Saint-Étienne, eh bien ma foi, vous la connaissez, c'est l'équipe traditionnelle qui a joué les derniers matchs de championnat et avec surtout un jeune en attaque. Il y a la confirmation du petit vert, comme on l'appelle, Laurent Paganelli, petit bonhomme portant le numéro 7, qui avait été remarquable contre les Allemands de Hambourg et que Robert Herbin n'hésite pas, alors qu'il est encore junior, il est bon de le rappeler, ce Laurent Paganelli, à le lancer à nouveau dans un match au sommet de la Coupe d'Europe.